Bon, du coup, quels sont les game changers? Déjà, on va aller voir combien de LD il y a en tout. Il me semble qu'on peut le voir ici. C'est ici qu'on avait été voir la dernière fois. Ah, vous n'allez pas le voir, vous, mais c'est pas grave. Je le vois, vous inquiétez pas. Je monte dès que je suis dessus. Ouais. En gros, ça donne ça. Donc, il y a bien 108 NAT 5 LD. Et sur les 108. Combien sans Game Changer? Bah du coup, bah eux pour l'instant ne le sont pas. Après ils peuvent le devenir. Hein. Je pense que Silver actuellement il faut des LD avec. Pour moi c'est pas un Game Changer. Tout ça non. Vraiment pas. Je pense que c'est sympa mais c'est pas un Game Changer. C'est pas un Kovarchi tu vois. Je pense sincèrement que c'est pas du game changer ici non plus. Gérald Dark? Gérald Dark, bah c'est pas fou. C'est l'un des pires 5 LD du jeu en termes de design, malheureusement. Genre, le design n'a aucun sens. Les sorts ne vont pas bien ensemble, les stats ne vont pas bien ensemble, le wake est pas bon, le. Tu vois, malheureusement. Uldong non, Jessica non, Teus non. Berguild, oui, quand même. Pour moi, Berguild, ça peut devenir un game changer, quand même. Surtout dans une méta élémentaire plus Berguild, c'est très fort. Bon, Eivor, c'est Berguild, hein. Kovarchi, largement. Audrey, non. Ariana, non. Véronica, oui, quand même, hein. Même en full élémentaire plus Véronica, c'est fort, hein. Oh ça, Uldong? Nah. Non, 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 non. Vraiment pas, vraiment pas. Game Changer, Virgil, je suis passé de C2 à C3. Putain, GG, hein. Game Changer de fou, hein. T'imagines, t'es presque J. T'es presque juste ici. Je me souviens plus du mot de. En J. Presque juste ici. Grâce à lui. Enfin, grâce à elle, du coup, en l'occurrence. Après, tu joues quoi autour de Berguild? Est-ce que t'es ce genre de mec qui joue Berguild en mode. Strip Tunnel Open, sinon j'ai perdu? Ou est-ce que tu la joues en mode sur le long terme? Eventrune Game Changer, passer de C2 à P3. Allez, Eventrune, ça peut faire des chocs à pic aussi, ça. Shun, non. Pénédicte. C'est non. Seimei, pour moi, c'est pas un Game Changer. Pour moi, c'est très fort. Mais. Soit avec des LD de manière polyvalente, soit vraiment c'est un last pick quoi. Craig, non. Talisman, non. On parle RTA, hein. Je parle en RTA, évidemment. Talisman en arène, forcément, c'est game changer. Anmul aussi, mais. Narsha, pour moi, c'est pas un game changer. Je pense même que c'est un peu surcoté. Dans certains cas, évidemment. Talisman en cleave RTA, oui. Non, 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 non. Tu parles du J, le fameux J de Guts? Non, 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 pas celui-là non plus. Lucifer, je sais pas. En fait, pour moi, il va pas te faire gagner des places, tu vois. Pour moi, c'est ça un game changer. C'est vraiment un truc qui, quand tu le spams, tu gagnes des places par rapport à ta compo de base sans, tu vois. Pour moi, c'est juste for fun, le Léo Lucifer, tu vois. C'est une cliff for fun, sachant que tu pourrais déjà être à ce niveau-là sans Lucifer, je pense, tu vois. Ouais, QRTA, QRTA. QRTA, QRTA. Kenir, c'est pareil. Ventis, pour moi, c'est pas un game changer du tout. Hein. Genre, c'est un bon last pick dans certains cas. Mais jouer autour de Valentis, je pense pas que ça va te faire gagner tant de points que ça. Eleanor, par contre, c'est insane. Trop, trop fort. Celia, non. Tien Lang aussi, hein. L. Oberon, non. Wedjat. Ah, Wedjat, il y a débat en vrai. Je voulais placer Manananan. Ouais, non. Pour l'RTA, du coup, non. Tout PvE et arène, il est insane. Tu parles de qui? Ah, Lucifer? Ouais. Mais pour l'RTA, là. Moi, je suis un peu matrixé par l'RTA. Pour moi, il n'y a que ça. Le reste, on s'en fout.
En vrai, le PvE, tu joues avec des doubles veilles, tu vois. L'arène, bon bah c'est 1 heure par semaine. Et encore, t'as pas vraiment besoin de faire 1 heure de rush. C'est un peu un mythe. C'est pas un mythe, c'est juste que visuellement c'est cool de faire 1 heure, tu vois. D'appeler ça un rush hour. Parce que non, en vrai, en 30 minutes, tu peux faire ton rush. Hein. Facile. Donc 30 minutes par semaine, allez. Et à côté, bah t'as le siège. Et le siège, if I speak. If I speak. Quand t'as pas les runes. Quand t'as pas les runes. Ah, je pense qu'il faut des runes avec Wedge quand même. Le problème, c'est de se faire Léo qui est trop fort, mais s'il est ban, terminé. Non, en vrai, c'est un peu différent que ça. C'est pas à ce point-là. C'est pas si tu bannes Lucifer, c'est fini, quoi. Parce que justement, en général, ils ont des lead speed, plus contest, plus un gros nuker, et si tu bannes Lucifer, en fait, t'as perdu, quoi. Souvent, en vrai, Lucifer, souvent, tu le bannes pas. Ça dépend d'où tu pars. Oui, ça dépend d'où tu pars, clairement. Je pense pas que ça te fasse gagner tant de points que ça, d'avoir Wedjat. Des options qui sont cool aussi en élémentaire. On a beaucoup d'élémentaires lead speed qui sont forts en fait, tu vois. Je pense sincèrement que ce n'est pas un game changer, Wedjat. Moi, il devient vraiment bien avec d'autres LD, genre des Laura, etc. Sinon, non. Il est Vermoor, quand tu as. Il est au Devac. Team Steely Wedjat vers des Miles. J'ai trop du mal contre, j'aime pas ce mob. Ah, mais je pense que c'est à plus bas niveau, ça, ouais. Parce que les Miles sont durs à tanker, et si tu le fais full cyclé, bah forcément il fait très mal. Mais typiquement, ce genre de compo, dès que les gens commencent à jouer des Camille et tout, tu ne joues pas en fait. Juste tu mets Camille, Tessarion, il n'y a plus de compo, tu vois. Isis, non. Pontos, non. Pontos, j'aime. Moi, je suis pas fan du monstre. Je sais que c'est pas mauvais, tu vois. Je pense que si j'ai Pontos un jour, je suis même pas sûr de vraiment vouloir le jouer. Je pense sincèrement que ça ne ferait pas gagner de points. À moins de le mettre genre en Nemesis, quoi. Ouais, ça, en Trapnem, quoi. Mais bon, avoir un Trapnem, 5 nat LD. Sigrid? Bon, on va en passer. Là, on est en train de faire tous les 5 nat, t'inquiète, on va y passer. Trop fort le cycling dans la méta, en vrai, non? Ouais, mais t'as des counters à ça. T'as des counters à ça, en vrai. T'as des dégâts crit, première attaque sur Lucian, ça fonctionne que sur le premier. Ouais, c'est ça, premier hit. Première carte. En AoE du coup. Hein. La première carte en AoE, mais du coup c'est pas fou. Elena pour moi c'est pas un game changer, ni Gong non plus. Yunhong par contre si. Clairement. Asima non, Shazam non, Artamiel non. QD. Ouais, Huldong il a un winrate de porc. Hein. Après c'est. Je pense hein. C'est facile à dire, mais c'est un peu biaisé par les gros monstres qui le spam. Je pense que dans la méta, non, mais normalement c'est censé l'être. Sincèrement. Mais dans la méta actuelle, bah c'est il faut forcer Gang et quitter la chambre, quoi. Et c'est parce que les Gang, quoi. Ouais, ça, pas dans cette méta, je suis assez d'accord. Mais je pense que je vais quand même le mettre. En me disant, bah selon la méta quand même, c'est pas mauvais. Hein. C'est l'un des meilleurs contrôles du jeu quand même. Hein. Bon bah Laura, je pense que on est tous d'accord. Laïma, non. Julianne, large. C'est l'un des meilleurs même. C'est très fort avec les élémentaires. Et genre avec Eshir qui est un Lightning Arc, mais très facile à avoir. Bah Shan, c'est un peu le même problème que Kitten Dachang en fait. Mais au moins, lui, il est moins exposé à Lucia et compagnie, quoi. Je pense que Shan est au-dessus de Kitten Dachang actuellement. En termes de pas trop commit sa draft, en fait, tu vois. Parce qu'avec Shan, en fait, tu peux partir full mono-cible, au pire. Avec les anges jumeaux, et tu fais un gros skill 2, et tu fais un moins 40k, tu vois. À cause de ses stats de base, bah, il faut des bonnes runes, quoi. Honnêtement, faut mettre des bonnes runes dessus, quoi. C'est ça le problème du monstre, mais quand t'as les runes, c'est vraiment fort. Hein. Et au pire, je pense que Swift Efficience, c'est fort aussi sur lui. Si vraiment t'as pas les violents. Ce que je fais dans ma draft, Shan Ange. Ouais, c'est ça. Shan Ange, ça peut être ok. Même Vanessa, hein. Même Vanessa, t'as le strip Breakdev into Shan. Ça te fait un strip mono en plus, potentiellement, pour pouvoir skill 3 s'il faut. Après, je pense que Shan en violence, c'est quand même beaucoup mieux. Hein.
Au pire, tu le mets plus tanky si t'as pas les crit damage et tout. Tu menaces AOE avec un skill rush time, mais tu peux quand même sortir une menace en mono cible. Ouais, c'est ça qui est fort. Par rapport à quitter la chambre où vraiment tu dois full commit, double strip, double lead, double contest, machin, machin. Enfin, tu connais quoi. Et du coup, bah, dans les drafts Egang, Lucia, Verde Riven, je sais pas quoi, bah, en fait, tu peux pas vraiment t'en sortir quoi. C'est impossible de gagner. Même avec des Angela et tout maintenant, en ce moment, les Ragdoll, Gapsu. En fait, tu vas un petit peu faire en sorte que ça joue pas trop en face, mais dès que ça va commencer à jouer, t'as perdu en fait. Ujelex, comment tu vas? Avant Egang, je jouais quitter la chambre, maintenant je joue Shan. Ouais, c'est ça, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. Eludia, non. Zerat, non. En fait, il y a des cleaves avec, hein, mais c'est un peu comme pour Lucifer, je pense. Akroma, non. Je sais qu'elle est un peu plus jouée en ce moment. D'ailleurs, c'est quoi son winrate actuellement? Si on va en G3. Il me semble qu'elle a un peu joué. Elle est un peu bas quand même. Ouais, non, c'est pas fou en vrai. Non, en vrai, c'est pas fou. Et là, on est dans les 4 nats. Donc, go 5 nats. Light and Dark. Enfin, Dark du coup. C'est vraiment des mots de zinzin. Ouais, j'aime bien. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux dans la méta hein, que Shen. Ça reste aussi vachement counter par pas mal de d'archétypes de draft, quoi. Genre, pareil, en fait, dès que tu tapes les mecs qui font des Léo plus des boosts ATB, des Gang et compagnie, ben, en fait, ton Shan, il peut juste pas... Il peut juste pas jouer dans cette draft, en fait. C'est la Poney Light en moins bien. Ouais, en vraiment moins bien. Après, ça a plus de dégâts, c'est un peu différent, mais... C'est un peu dur de les comparer les deux, mais... En fait, je pense que Akroma c'est cool dans les drafts genre Syrah, Zibala, tu vois, typiquement. Tu pourras pas vraiment te faire bomber et tout, et tu pourras pas te faire freeze, reset, tout ça. Mais à part ces drafts-là, et on est d'accord, hein, c'est quand même une draft qui est un peu récurrente en ce moment, mais à part ces drafts-là, je pense que c'est vraiment éclaté. Hein. À moins vraiment de partir full Bruiser. Mais en transi Bruiser, c'est que fort dans Syrah, Zibala pour moi. Et encore, dès que t'as les Janna et tout, il y a tellement de multites qu'elle se fait juste bouffer. Hein. Je peux t'envoyer un replay dans le canal, je comprends pas comment le mec arrive à G2 avec sa compo, j'ai fait la même, mais impossible de win avec. Vas-y, je fais juste les Dark et après tu m'envoies le replay. Ah, le site c'était SWRT. Blue Ranking. Attends, je t'envoie ça. Normalement, si je t'envoie ça, tu devrais tomber dessus. Pour moi, celui qui donne des rangs en plus à des joueurs, c'est Ragdoll, c'est le seul qui change vraiment beaucoup de choses. Bah, en vrai, il y en a quelques-uns quand même, mais Ragdoll en fait partie, ouais. Tout ça, non. Tu sais que Nyx, c'est premier degré très très fort, mais ça reste un counterpick, c'est un peu le même problème que Seimei, je pense. Gapsu, on compte pas, hein, c'est une fusion. Divaraja. Non, je pense pas. Hein. Parce que en fait, c'est un bon monstre contrôle, mais c'est un contrôle debuff. Et du coup, tout ce qui est cleanser, c'est chiant pour lui. Et je pense qu'il faut d'autres LD avec. Raciste et diffusion, oui, exactement. C'est hyper fort, mais pas game changer. Je pense pas non plus. Parce que si c'est pas du hard CC, ça clean, c'est avec des tétras, des Veromoth, des trucs comme ça. Sauf que... Attends Gremlins, je finis ça, ok? Je pense que c'est à cause de Veromoth qui counter 5 nats. Oui, par exemple. Je pense qu'on peut quand même le mettre, hein. En fait, je pense que même moi, je sous-estime encore un petit peu ce monstre. En fait, c'est vraiment tanky, et t'as des bons dégâts entre les dégâts de base du truc, les réduits KTB, et aussi le reflect de damage, mine de rien. Je pense que c'est vraiment fort, pour le coup.
Très fun à jouer par contre, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Sigrid, nah. Ah, c'est vraiment le cover sheet du très très pauvre hein, pour moi. Ah, selon les drafts, c'est différent. Hein. En vrai, Kira, oui. Je pense sincèrement que Kira, c'est un game changer. C'est Elite Speed et c'est tellement anti-browser. Genre, en fait, les browsers, tu les passes tellement plus facilement dès que t'as Kira. Tu peux juste partir en full mono-cible. Ever Dark, non. Bah, ça, c'est la même chose. C'est un last pick. C'est un peu comme Saimei et tout. Giselle, c'est pas RTA. Elena, bon, ouais, non, pas à ce point-là. Ritsu. Maximilian. Ouais, en vrai, oui, quand même. Hein. En fait, c'est aussi game changer dans le sens où tu vas devoir changer ta manière de draft, quoi. C'est ça qui est un peu chiant, mais. Vraiment pas game changer, Kira? Je pense que tu sous-estimes Kira alors. Je pense vraiment que tu sous-estimes vraiment, vraiment Kira. Dès que t'as Kira, pour moi, tout ce qui est browser, tu leur roules dessus. Vraiment, tu leur roules dessus. Genre, quand tu vois les drafts où les mecs, ils ont Kira, juste, c'est trop facile pour eux. C'est juste trop facile pour eux. Jackson, last pick, Kiki, non, Yuki, c'est la cleave. Duman, c'est incroyable. Pareil, ça te rend les drafts browser tellement plus faciles. Urka, non, Van Cleef, non. Non, non, non. Bella. C'est un Kira, il bouge pas parce qu'il y a elle, qu'il a elle. Ouais, mais C1, même avec des ragdolls et tout, ils vont peut-être rester C1, tu vois. C1, en général, c'est pas toujours le problème des runes. Et là, non. Tu vas peut-être me convaincre à commencer l'RT avec ma Kira. Et Kira, tu sais que c'est vraiment, vraiment fort. Hein. Bella, jamais, c'est trop nu comme mob. Bella, trop nu comme mob. C'est Zeratou, hein, moins bien. Hein? Attends, je pense que vous avez oublié ce que ça fait, Bella, je pense. Après, le problème, c'est que c'est à très haut niveau que ça fait vraiment le café. Avec des grosses runes, des gros Arte, quoi. Faut vraiment des grosses runes, des gros Arte sur ce monstre. C'est ça, le problème. Ça commence à briller que plus tard, en fait. C'est ça, le problème. Donc, je peux comprendre votre point de vue. Mais genre, tu sais, avec sur les comptes comme Sapin, Tututu et tout, c'est... Même Obabo et tout, hein, Lufia, on les a déjà vus, leur Bella, tu vois, qui nique des games toute seule. Vraiment, à elle toute seule. Hein. Mais en même temps... Après, si tu mets pas Bella, tu mets pas Anne. Ah, mais je mets Anne tous les jours, hein, dans tous les cas. Et Anne, pour moi, est largement au-dessus de Bella, pour le coup. Genre, Anne, c'est vraiment broken. Bella, c'est très fort. J'aime bien envoyer des avis désastreux. J'ai Bella, je suis bien, je la sors quasi jamais. En fait, je pense que t'as juste une draft qui ne joue pas vraiment avec elle. Hein. Mais tu peux faire une draft autour de Bella. Tu peux faire Craig. Ouais, mais non, hein. Du coup, non. Hein. Je pense qu'il faut que tu préfères Bella. Hein. Juste, c'est différent, quoi. Ah, c'était pas une question, hein. C'était pas une question. Faut les RT, le seul mob fait pas grimper en RTA. Bah, en vrai, dans des drafts élémentaires avec des. Tu vois, parfois des drafts élémentaires en SWC avec des Eshir, Vanessa et tout, la Bella elle reste forte, tu vois. Elle me fait perdre des rangs. Mais je pense que c'est vraiment du gros G3, quoi. C'est ça le problème. Je pense que Bella ne l'est pas. Pour moi, Bella n'est pas game changer. Et par exemple, tu vois, tu donnes ça à Guts, je pense qu'il en fait quelque chose, tu vois. Du coup, pour quelqu'un comme par exemple Guts, je pense que ça peut devenir game changer. Ce qui peut jouer autour d'elle. Hein. Mais en dessous du niveau de rune, artefact et tout, c'est compliqué, ouais. Je pense qu'on va pas la mettre dans le game changer. En vrai, Pater dans la méta, Diana, c'est vraiment cool, mais c'est pas un game changer. C'est un peu comme Saimei et tout, encore une fois. Non. Bah, Vachel, en vrai, je pense que oui, quand même. En fait, ça t'ouvre tellement de portes, je pense. Il saute au plafond s'il chope un bon LD. Bah, en vrai, il en a 2-3 qui sont ok, tu vois. C'est juste qu'il lui faut du game changer, lui. C'est ça le problème, justement. Je pense qu'il y a LD jouable, il en fait quelque chose.
Bien sûr. C'était Léo, ouais, mais justement, en vrai, on part du principe quand même que les élémentaires sont acquis, quoi. On part juste du principe qu'au moins les LD sont pas spécialement acquis, quoi. Parce que forcément, si t'as Anne et tout, UHL, ça devient godlike. Mais sans. En te disant que t'as que des élémentaires plus UHL, tu vois. Si tu pars juste de ce principe-là, pour moi, c'est game changer. Ming non, Nyx non, bah Nephthys forcément aussi. Tepae, Sylvia, Mananan. Averroes en vrai, oui, mais c'est un fusion donc bon. Lydia, non. Et en vrai, ça aurait été comme ça, Imade, de toute façon. Winsa, pour moi par exemple, typiquement, il faut des LD avec. Sinon, FF. Useless quand tu as. En fait, c'est un peu comme Triton, quoi. C'est un strip très rapide qui va pas vraiment t'apporter des contrôles, quoi. C'est ça le problème. Et Triton, au moins, c'est pas trop counter par les gangs. Winsa, dès que tu le piques, t'auras 150 monstres en Nemesis plus un E-Gang en face. Et ça peut être chiant sans les LD à côté qui te rendent plus fort. LD genre Neftis? Non, en vrai, Neftis ou Winsa, je pense que c'est pas si fou. Vraiment pas. Non, LD genre Anne en fait. Genre Anne, Gianna et compagnie quoi. Wolyong. Game Changer, je pense pas. Si vraiment t'es un OTP Cleaver, ça va te changer la vie, mais. Mais c'est pareil, je pense que ça va pas vraiment te faire gagner des places, quoi, par rapport à jouer méta. Ragdoll, large. Nikki. Je pense que depuis le nerf, non. C'est pas un game changer, Nikki, pour moi, depuis le nerf. Avant le nerf, je pense que c'était débattable. Maintenant, non. Ça a quand même pas mal perdu en puissance. Hein. Ça a quand même pas mal perdu en puissance. Bon, Diana, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. Zeratul, pour moi, c'est pas un force ban. C'est pas un... Et pour moi, c'est pas meilleur que Bella et tout. Ah, quoique, ça se débat en vrai. Bon bah Anne par contre il y est, hein, ça c'est sûr. C'est un peu une Bella mais avec un lead speed. Ok, on a fini. On a combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et du coup, 19 sur 108. On a 17%. 17,5% de game changer. En ayant quand même été assez... ouvert entre guillemets. Enfin non, même fermé en fait. Il y en a quelques-uns qu'on aurait pu mettre dedans qu'on n'a pas mis quoi. Elle pose break death Bella? Non mais le strip. Et ça vraiment c'est fort aussi. Je pense qu'on sous-estime le strip de Bella. Parce que sur Imu, Anne fera moins de dégâts que Bella largement. Montre. Attends, tu sais quoi, je vais te montrer le doc. En gros, j'avais noté ça, moi. J'ai noté ça. Zeratu, il strip aussi. Ouais, mais il aura pas autant de dégâts qu'une Bella. Hein. Genre, vraiment, Bella, ça tape très, 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 très fort. Hein. En fait, une Bella sur un proc peut te one-shot presque n'importe quel bruiser. Là où tu diras. Bah, il lui en faudra 2-3 des procs, quoi. Surtout en Zera méta, tu vois. Donc les méta, donc les speed to crit HP. Avec la tankiness, tout ça. Des bons artés, certes, hein, mais ouais, non, ça fait pas autant de dégâts qu'une Bella. Mais bon, le gros avantage de Zeratu, c'est qu'il a la sustain, que Bella n'a pas. Et surtout, il est perma-immu, quoi. Et j'avoue que le côté perma-immu, perma-buff attaque, sustain, tout ça. Bah forcément, ça a son avantage dans d'autres situations, je pense. J'ai 6 LD, aucun game changer. Moi j'en ai un. Je t'avoue que j'en ai un, et je suis très content de l'avoir. Liste de mes most wanted. Là pour moi ça c'est les game changers. Est-ce qu'il y en a un où c'est débattable? Est-ce qu'il y en a un qu'on devrait rajouter? Ça j'avais mis en 1, tu vois. On pourrait se dire genre
Les monstres un peu comme ça, évidemment, hein, mais... Même des Varad... Attends, des Varadja, je l'ai pas mis? Ah si, si, il y est. Des Varadja, je pense pas. Et moi, je pense que si, en vrai. Pour avoir vu quand même pas mal de gens le jouer et avoir des très très bons résultats. Je pense que des Varadja, c'est un peu sous-estimé. Justement, à chaque fois que je me dis des Varadja, ici, il gagne pas vraiment, en fait, si. Il défonce la game, même. À chaque fois, je me dis, en vrai, vu que c'est un contrôle, mais juste provocation, donc ouais, tu mets Véromos et tout, bah c'est cleans, quoi. Y a plus de provocation. En fait, le truc est vraiment fort quand même, tu vois. Parce qu'il va quand même pouvoir rééduquer TB, et pouvoir faire des bons dégâts, il sera très tanky, il a le reflect. C'est vraiment pas dégueu. Si tu mets des Varadjas, tu peux mettre Wedjat. Ça n'a rien à voir, ouais. Qu'est-ce qui fait que l'un mettrait l'autre, en fait? Wedjat, moi, je le mettrais pas, hein. Je pense que les gens peut-être surestiment un peu Wedjat, je pense. Tu pars du principe que Qin'Alla Shang Game Changer et passe la méta, tu peux mettre Laïma? Non, parce qu'en fait, Qin'Alla Shang avec Egang, c'est vraiment fort pour le coup dans la méta aussi. Jusqu'avant, t'avais pas besoin de forcer Egang pour pouvoir jouer Qin'Alla Shang. Mais Laïma et Gang, c'est pas si fort que ça en fait. T'as pas de dégâts, t'as pas de réduc, t'as rien en fait. Lucifer. Et Lucifer, RTA, c'est pas un game changer. On parle juste RTA, les gars. Vraiment, juste RTA. Là c'est vraiment une liste que RTA. Donc, c'est quoi? RTA. Kiara. Mais Kiara, vraiment, je pense que tu sous-estimes, hein, par contre. Kiara, c'est vraiment une scène. Hein. Je sais pas si je peux te donner des exemples. Hein. Moi, si j'ai Kiara, je suis le plus heureux des hommes, hein, vraiment. Récupération skill 1. Ah, c'est dommage, j'ai rien d'autre. En vrai, il me faut des bonnes récupérations skill 1 pour les marionnettistes, mais. Mais dégâts reçus, mauvais état et skill 3, bon, ça sert à rien. Hein. Attends, j'ai racheté en fait. Je vois des mecs avec un cerveau vide, up avec Lucie sans difficulté. Cerveau vide parce que la compo est pas très difficile à faire, mais est-ce que ça veut dire que ces gens-là seraient pas Imagine, tu vois un mec G2 faire ça, est-ce que ce mec-là serait pas G2 sans son Lucifer en fait? C'est ça le truc. Et pour moi, oui. Pour moi, il le serait. Laura RT en violent, qui skill 3, skill 2, FF. Ah, mais Laura, elle y est, hein. Elle est dans la liste, hein, clairement. Je parle plus bas? Je sais pas. Pour moi, c'est juste des monstres de cleave. Et pour moi, la cleave, de base, ça se fait facilement counter. Souvent, quand tu montes en elo, c'est juste que t'affrontes des mecs qui savent pas jouer anti-cleave, quoi. Tu vois, G3... Oui, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, son F6. Je l'ai fait plein de fois, son F6, G3. Attends. Par monstre... Mais je pourrais pas faire top genre 50, tu vois, avec son F6, par exemple. Ça, clairement, je pourrais pas faire. Mais juste G3, oui. Mais tu vois, avec Nefti, je suis passé 71e. J'ai littéralement fait 3 saisons top 100. Et ça, en full élémentaire, j'aurais pas fait, je pense, tu vois. Typiquement. Mais G3, oui. Top 300, oui. Alors, Lucifer... Non, Click. Je voulais voir Kiara, en fait. Kiara, Kiara. Bon, lui, pour le coup, il force de fou. Ouais, c'est juste le même cleaver, quoi. Putain, le jour où on pourra trier par rang, sera tellement bien, ça. Le jour où on pourra trier par rang. My dream. Non, c'est plutôt anti-bruiser. Après, tu peux du jouer autour comme lui fait, par exemple, tu vois. Lui, il joue autour, littéralement. Après, il a du Lucifer aussi, hein. Il a quelques bons LD pour aller avec, tu vois. Tu peux t'amuser à jouer autour avec des Adriana et tout, j'imagine, mais je pense que c'est plutôt une transition anti-browser, ouais. Où tu pars en mode Kiera Sonia, Kiera Federica, et trucs comme ça, tu vois. Dites les questions de ce soir. Non, attends, comment t'es au courant que je les ai, les questions à l'avance? Comment t'es au courant de ça? Parce que je fais toujours l'acteur comme ça, comme si je faisais semblant de pas savoir les réponses. Je savais pas que t'avais l'info. Le streamer méprise le gameplay des Punishers et en dessous. Est-ce juste que ça donnera pas une bonne idée, quoi? Ça donnera juste pas une bonne idée, quoi.
Parce que si tu vois un fighter bah, gagner avec un Lucifer, bon bah t'es en mode bah oui mais en même temps il est fighter tu vois. Donc c'est que ça gagne pas tant que ça tu vois.